sekele abondeko okotikala yo moko sokoboyi kondima moninga na yo ndenge azai. Kogangela te moninga na yo na miso ya bato kasi lobela ye na ndenge ya kuzu kumisa ye na miso nde ya bato vraiment. Konzi makate kozala esika moko na bayeba kotongo moninga wa yo wana nde babengi trahison. Elenge ya bolingo na ndenge ya Platon akofunda yo jamais jamais. Bolingo soki etamboli mokili mobimba tango nyonso bokola mokakana esengo. Je sais mieux faire l'amitié que l'amour Arnaud Lagunae. Sekele ya bondeko okotikala na soni soki oboyi kondima moninga na yo ndenge azae. Gangela te moninga na yo na miso ya bato kasi lobela ye na ndenge ya kuzu kumisa ye na miso nde ya bato vraiment. Manya kokende lifelona na kozala sofre nzambe ye moko ayebi vitese diare mbango mbango lenvie des choses posa makambo Claude Basole musique. Chacha Bifou, champion des dames. Chance de Kourou. Yarok Okambole Keli Yebo. Séduc Tembe très mobile. Papa Naro et Joseph Duva Christ. Ro Elise Marcel. Francis Osomo. Patrick Bouti, France 24. Léofin de Zamboula. C'est vrai. DJ Sir. Richard Bunga, la marraine Olivier Trajere. Ça nous fait mal, on met dans la Congo, on met quoi dans la bande.
tu na Cameroun. La vie c'est la même. Bébé mon quoi na Guinée, oh tu na South Africa. Tout mon voisin Congo. La vie c'est la même. Yeah, mais je me demande, pourquoi seulement Africa. Je me demande, pourquoi seulement Africa. Je me demande, pourquoi seulement Africa. Bienvenue dans l'émission Musique entre les lignes. Mes amis, je vous retrouve encore, ça fait plaisir. Chaque mardi, vous savez, toujours scotché dans notre émission Musique entre les lignes. Aujourd'hui, je reçois l'homme qu'on appelle Parfait Young, artiste musicien qui a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, on le reçoit comme artiste. Bonjour, monsieur. Bonjour, Parfait. Mon frère. Merci. Et comment c'est sans, là? Ouais, ça va. Super. Bienvenue dans notre émission. Hein. Musique entre les lignes, c'est pour tout le monde. On reçoit les réalisateurs, les producteurs, les artistes. Merci. C'est pour faire la fierté de notre beau pays, le Congo. Ok. Parfait Young, aujourd'hui, c'est pour la première fois que vous passez dans notre émission Musique entre les lignes. Nous, on veut un peu connaître votre parcours. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Bon, Parfait Young, c'est un artiste musicien, chanteur, guitariste congolais. Bon, j'ai commencé la musique en tant que ndomboliste dans un jeune orchestre du quartier. Ndomboliste, ça veut dire que celui qui fait la musique ndombolo. Ah, Dieu, donc Dieu. La rumba. Mais au Congo, c'est le soukous qui est reconnu. Non, ndombolo, ce que Extra fait, Patrouille des Stars et tant d'autres, bien sûr. Voilà, donc j'ai commencé en tant que soliste, guitariste, voilà. Et j'ai eu à jouer, à faire des scènes, faire la première partie de Werason, la première partie d'Academia, après la première partie aussi de Magic System d'ailleurs. Et voilà, au fur et à mesure que j'évoluais, je me suis dit que bon, il fallait que je continue à voir autrement ma musique. Bon, j'ai pu évoluer jusqu'à jouer, donc à accompagner Jackie Rapan. L'antillais d'ailleurs. Donc dans le zouk ou bien dans le zouk. Wow. Une autre casquette que je garde, c'est que en tant qu'ingénieur de son, je travaille déjà dans un studio d'enregistrement avec un grand qui m'a formé en son, qui s'appelle Mike Samba. Donc là, j'ai eu à avoir la chance de connaître beaucoup de genres. Voilà, donc le jazz, j'ai appris un peu de jazz, un peu de zouk et tout ça, vu qu'il était un très grand arrangeur. J'ai continué ma carrière jusqu'à ce que j'ai déclaré ma carrière solo. J'ai pensé faire la musique de recherche, c'était en 2009 que j'ai commencé mon enregistrement, en fait l'enregistrement de l'album, jusqu'à ce que j'ai sorti un tout premier album. Un tout premier album de 4 titres, c'était en 2012. Et voilà, aujourd'hui, Parfait Young continue la carrière. Mais y a-t-il eu des difficultés que vous avez rencontrées toujours durant votre carrière? Toujours, ça ne manque pas. D'abord, la première des choses, le soutien. Ça, c'est tout artiste qui dit. Ah, mais tu sais que c'est au Congo, hein? Pas seulement au Congo, moi je dirais pas seulement au Congo mondial, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un séminaire avec les Américains qui étaient venus des États-Unis, qui avaient dit que ce soit en Afrique ou en Europe, en Asie, Amérique et tout ça, le problème de soutien pose toujours un grand problème. Maintenant, ce que l'artiste doit faire, c'est de savoir ce qu'il veut. Si tu veux réellement vivre par rapport aux autres, bon, en ce moment-là, tu ne fais rien. Mais si tu penses que tu veux emmener ta carrière un peu plus loin, tu dois faire quelque chose en parallèle. Et c'est ce qui a poussé que je sois ingénieur de son et que je sois vraiment assidu. Pourquoi ? Parce que en tant que preneur de son dans un studio d'enregistrement, les miettes que je peux avoir à gauche, ça pourra soutenir ma musique. Et voilà, c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Parfait Young, bon voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui certaines personnes viennent en aide et voilà, donc
C'est ça la carrière. C'est celui qu'on voit aujourd'hui parfait, Jung. Grâce à la vision. À la vision, oui. C'est ce qu'on dit, il faut se battre. Il faut se battre dans la vie. Il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Mais parfois, Jung, vous savez que notre émission s'intitule « Musique entre les lignes ». Donc, dès qu'on vous reçoit ici, bien sûr, c'est de la musique, mais à la fin, on met 100% clip. Donc, ça veut dire que vous avez apporté un clip dans notre émission. Bien entendu. Oui, pouvez-vous nous parler de votre dernier clip que vous avez apporté? Le clip s'intitule « Akawe ». Akawe. Mais attendez, on va un peu souffler. Akawe veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire « je t'aime ». Je t'aime. Dans quelle langue? C'est une langue parlée à l'ouest de la RDC. Mais c'est quand même compliqué ce nom de. Mais c'est beau, Akawe. Hein, Akawe. Akawe, oui. L'Afrique c'est ça. Ça veut... non, en RDC? En RDC, oui, oui. Oui. Oh là là. Mais donc, ça parle de quoi? Ça parle de l'amour, tout simplement. Ça parle de l'amour. Que quand tu es, quand tu aimes vraiment, il faut montrer à l'autre que tu l'aimes vraiment et ne pas cacher. Pourquoi? Parce que généralement, nous, ici en Afrique, quand tu aimes, tu préfères ceux qui n'ont l'axi à moi, qui sont à l'axi, qui n'ont l'ingi, à moi, à Yuma, à moi, à Net, à moi, à Telanga et tout ça. Mais c'est ça l'amour, non? Non, l'amour, c'est dire la vérité. Quand tu aimes vraiment, tu dis que je t'aime. Quand tu n'aimes pas, tu dis je t'aime pas. Voilà. Oh là là. Ouais. Mais attendez, si tu dis ça à une personne, ça veut dire que ah bon, mais ma banga. À une personne, non. Oui ou non, je t'aime pas. Mais, ah oui, non, ça dépend. Ce n'est que la vérité. Hein. C'est la vérité. Son alignoté, je te dis que bon, je t'aime pas, mais je marche avec toi. On est avec toi, mais je t'aime pas en réalité. Vous avez chanté en français et en quelle langue encore? J'ai chanté en français, en togolais. En togolais, c'est ce qui est parlé au Togo. Au Togo, oui, oui. Oui. Je ne sais pas s'ils appellent ça togolais, mais c'est une langue parlée au Togo. Moulanto, qui veut dire aussi je t'aime. I love you en anglais. Okay, oui. Et Mbiemo. C'était même le Swahili. Et le Swahili, excusez. Non. Non. Mais ça a tendance un peu à être comme le Swahili. Oui, mais bon, on est en Afrique, c'est ça. Dans votre chanson, vous demandez de l'aide. Comme tu dis déjà, Akawe, tu dis à une personne, je t'aime. Mais pourquoi encore demander de l'aide dans la chanson à tes amis? Dans le concept, c'est l'homme qui dit à la femme que je t'aime tellement. Et bon, tu vois, il y a certains hommes qui sont beaucoup, jaloux. Ils pensent que ceux qui moi, c'est Akena Zando, Mimisus Baolingaye et tout ça, ça dérangeait la femme. Maintenant, vu que l'homme s'est dit que moi, si Nangazo comprend Nante, que Nga et Nazo Lingaye, tout ce que je fais là, ce n'est que l'amour, c'est parce que je l'aime vraiment. Et l'homme dit, Nabenga, Baninga Bakote Langa, Pobaye, vous savez que tout ça, c'est parce que je l'aime vraiment. C'est ça. Votre collaboration avec Rosen, vous le citez, à part Rosen, il y a eu d'autres personnes, non? Oui, Rosen, c'est d'abord un ami. C'est un ami, qui fait aussi la fierté de la musique congolaise, bien, en ce moment, sûr. Basé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. C'est vraiment un ami. On a eu à beaucoup partager beaucoup d'expériences avec lui. Et le jour que j'étais en train d'enregistrer, il était là. Il a dit parfait, Yunga, il faut la donc moi, Libanga quoi? Il faut qu'à Libanga Kota. Bon, j'étais contraint, c'est tout à fait normal, Azamuninga et tout ça. Il a contribué en me donnant une parole, je crois que c'était en Bambara, dans une des parties de la chanson. Ah oui, Bambara, c'est parlé au Mali. Au Mali, oui. En Guinée aussi, non, je pense. Non, c'est au Mali. En Guinée, non, au Mali, je crois. Au Mali, hein, d'accord. Ouais, j'ai des amis là-bas, je les salue hein, en passant. D'accord. Bon, nous allons continuer. Oui. Le clip a été réalisé par qui? Big Close. Big Close, ouais. Ah, celui qui fait du succès en ce moment. Ils sont en train de se battre, ces jeunes. Et bon, moi, je ne dirais pas qu'il se bat, il montre ses compétences. Ouais. Mais il n'est pas le seul, hein. Je vois les Prince Bayan. Ouais. Mm-hmm. Ce sont des jeunes qui sont en train de faire la fierté de notre pays, côté clip. Mm-hmm. Et c'est là aussi est née l'émission musique entre les lignes, 100% clip, pour un peu donner un peu de la valeur au clip congolais. C'est un peu ça, mais merci. Nous allons continuer dans notre émission. On va un peu souffler. Hein, ce n'est pas une course de vitesse. Okay. Nous allons un peu suivre un clip. Chers amis, nous allons revenir à bientôt. À cause de la
Je pense que le clip vous a plu. C'était Kamikaze avec Youlou Mabiala. Bon, vous voyez, hein, ça c'est ce qu'on appelle clip souvenir. Parfait, Young. Comment vous avez vu le clip? C'est bien. Parce que nos doyens ont eu à travailler. En ce moment-là, ça c'est la technologie de ce temps. Hein. Ils avaient leur façon de travailler et qui marchait aussi bien. Mais seulement qu'aujourd'hui, la technique a changé un peu. Nous avons beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de facilité quand même. Parce qu'en ce temps-là, réaliser un clip pro, c'était vraiment, c'était pas facile. Mais nous avons quand même, nous avons quand même la chance. Ouais. Merci. Parfait, Young. Mais notre dernière chose, c'est que vous allez présenter le clip Akawe au public. Donc, à vous. Cher public, voici pour vous le clip Akawe. Je vois que Akawe a un peu tué des gens parce que je t'aime. Ah, monsieur Parfait Youm, ça a été hein, vraiment. Merci, parce que vous faites la fierté de la musique congolaise. Merci. Et c'est beau comme ça. Mais on va se quitter. Peut-être, Biloka Souka, Talakanga, ma salutation. Parfait Youm, le vélo, Komoko, slogan Mokula, Mokula, Monanokaka. Mokula, Mokula, Monanokaka. Mokula, Mokula, Monanokaka. Je remercie Musique Entre les Lignes. Donc, merci et vraiment beaucoup de... Bye bye.